vous allez bien? Aujourd'hui nouveau vlog, je suis juste hyper contente aujourd'hui parce qu'en fait avec Ayoub on a été invité par la marque Jiffy. Comme vous savez ou pas peut-être, mais ça fait un moment qu'on collabore ensemble avec Jiffy. Vous savez, ils m'envoient des bons etc. Et là en fait ils nous ont invités pour un week-end de ouf. C'est à Villeneuve-sur-Lot. C'est entre Toulouse et Bordeaux et je suis juste hyper excitée, j'ai juste trop hâte parce qu'il y aura plein de trucs ce week-end et ça va être aussi un week-end super opposant. Ça va Tayoub? Ouais. Ah ça va être trop trop bien, franchement je suis hyper excitée, j'espère ne rien avoir oublié et j'ai juste super peur parce que en fait j'ai acheté un cadeau pour Souad, donc si tu passes par là je te fais des coucou. Si vous vous demandez qui c'est Souad, c'est la personne en fait qui m'a contactée, voilà, pour collaborer avec moi. C'est la personne avec qui je discute énormément, beaucoup même, et donc je lui ai pris un cadeau chez Lush. Mais le truc c'est que j'ai tellement peur que l'aéroport me le refuse. Parce que le truc c'est qu'on n'a pas pris de bagages en soute parce qu'en fait on reste juste le week-end, on rentre dimanche. Donc je pense, ce que je vais faire c'est que je vais mettre le cadeau dans une valise et on demandera au moment où on ira s'enregistrer. Bon c'est enregistré en ligne, mais au moment où on ira s'enregistrer, je crois que c'est ça. Et bah je vais demander si on peut mettre un bagage en soute. On prend le bus? On est pas au fond du bus, non? On est bien arrivé à l'aéroport, là en fait on prend un bus qui nous amène directement à l'avion. En plus là je sens que je vais avoir trop chaud parce que je sais pas du tout quel temps il fait là-bas. Tu sais, j'ai même pas regardé la météo. C'est vrai? Non, non, moi je suis trop bête. C'est vrai? Ouais. Pourquoi tu m'as pas dit? Moi j'ai pris que des gros pulls et tout. Il est vraiment tout petit, on n'a pas l'habitude de prendre des avions aussi petits. Mais ça va, le vol il s'est très bien passé. Bon, on est venu nous chercher à l'aéroport avec la voiture de Jiffy. Et regardez-moi le château, comment il est super beau. Je vais vous faire un tour du château tranquillement. Balcon avec la vue sur la piscine, sur la terrasse. Ok, super. C'est magnifique. C'est super beau. Voilà, je vais vous montrer la salle de bain ensuite. D'accord. De bain avec peignoir, double basque. Ouais, c'est le plus grand salon de la chambre. Je suis choquée. Voilà. Ah, c'est magnifique. Avec deux peignoirs si vous souhaitez profiter du spa aussi. Hein, c'est ok, c'est bien. Voilà, directement descendre en peignoir. Et ça situe au niveau de la piscine, donc je vous montrerai si vous souhaitez. Ok, génial. Super, c'est waouh. Voilà, ça vous plaît. C'est trop beau, ouais. Franchement, c'est vraiment chouette. Vous avez un téléphone sur la tête de lit juste ici. Ça y est, on est bien arrivé. Alors ah, elle est trop belle. Elle est trop jolie, mais tu sais qu'en plus elle m'a dit qu'elle nous avait mis sa chambre préférée. Ah là là, j'adore. Elle est trop trop mignonne, elle est juste ouf, elle est magnifique. Je vais vous faire un room tour parce que pour le coup je suis obligée là. Alors l'entrée se trouve là-bas, donc là il y a un petit bureau. Ayoub ne travaille pas, hein. D'accord, s'il te plaît. Donc c'est une chambre jaune, voilà, c'est le thème en fait de la chambre. Le lit, pff, oh là là, c'est juste... magnifique. Là on a des petits cadeaux. Après il y a la petite télé. Inspirez-vous de la décoration si ça vous intéresse. Donc voilà. Regardez-moi la salle de bain. Je suis juste... J'ai pas fait la salle de bain moi, bien comme il faut. Ah, elle est magnifique. Elle est vraiment trop belle. Elle est vraiment très très belle. Elle est vraiment très très belle. Regardez le plafond. Je vais appeler ma mère, je vais lui montrer parce que... elle va grave kiffer. Donc là il y a la baignoire. On a aussi deux peignoirs. Un petit Ayoub et une petite Et puis bah voilà. Hein. Elle est vraiment magnifique la chambre. Vraiment merci infiniment Souad. Toi-même tu sais ce que je pense de toi. Donc merci beaucoup. Et là on a un petit... comment ça s'appelle ? Un mini bar. Voilà.
Et avec du café, tout ça. Là, il y a les toilettes qui sont jaunes parce que c'est le thème. C'est très très joli. J'ai pas vu les toilettes aussi. Elles sont jaunes. Ah bah c'est mieux avec la lumière. Voilà l'entrée. C'est mignon ces petits spots là. Ouais. De ouf. Et là juste derrière il y a les comment dire, les placards. Désolée, j'ai du mal là, je suis un peu choquée par la chambre, je vous cache pas. C'est bien la première fois que j'ai une chambre comme ça. D'ailleurs vous avez même pas vu ma tenue du jour. Je vous ai pas montré. Donc j'ai mis ce gros pull. Et comment vous dire qu'il fait très très chaud. Hein. Donc j'ai mis ce gros pull avec les cuissardes noires. Voilà. Mais sinon ici il y a l'extérieur avec la piscine. C'est vraiment très très beau. Youb, tu kiffes? Ça va te détendre. Hein. Parce que c'est vrai, ces derniers temps, c'était non-stop, non-stop, non-stop. Donc là, ça va vraiment nous faire du bien. Alors Imen, tu vas mettre quoi ce soir? Je vais mettre déjà ça. Je vous en ai parlé sur Snap. Vous savez, c'est des semelles pour les talons. Et vu qu'elles sont complètement neuves, je les ai jamais mis. Je les ai reçues il y a à peu près 6 mois. Donc je vais les tester. J'espère qu'elles ne vont pas me faire mal aux pieds. Je vais vous montrer ma tenue. Mais c'est surtout ça que je vais essayer pour voir si c'est bien et si ça promet ce que ça dit. Soirée cocktail, donc je me suis habillée tout en noir. Ce chemisier qui vient de chez Mango, ouais, qui est vraiment très beau, il est simple, il est noir. Ce pantalon simili cuir, vous avez vu pratiquement dans toutes mes vidéos. Les chaussures, elles viennent d'une boutique en ligne, je ne me rappelle plus du nom, mais elles sont vraiment hyper belles. Après, je vous cache pas, elles sont pas forcément hyper confortables, donc je pense pas que je vais passer toute la soirée avec. Oui, et la ceinture, je vous l'ai pas montrée, elle vient de chez Primark. Voilà, voilà. Non, mais ça te va bien, t'es tout beau. Chaussures noires, jean gris, ouais, chemise noire. Très bien. Simple. Voilà. T'es plus grande que moi là. Ouais, quand même, c'est des gros talons. Hein. Enfin, elles sont hautes. Hein. Ça va, c'est bien ça. Bah non, je suis pas si grande que ça. Ça va ou quoi? Ok. La petite. Quelques mois, voire un an, que nous avons débuté notre collaboration. L'aventure YouTube Jiffy. Le plus beau, c'est que nous l'avons commencé ensemble. Car oui, c'est la première année pour notre enseigne. Et pour ma part, je tenais vraiment à vous remercier pour tout ce que vous m'apportez chaque jour. Grâce à vous tous, à votre soutien, votre gentillesse, je suis encore plus attachée à ma boîte qui est déjà une grande fierté pour moi.
J'adore voir à travers vos vidéos combien vous êtes heureux de présenter notre enseigne. Vous voir vous rendre dans vos magasins Jiffy pour votre shopping. Vous avez toujours un coup de cœur et Jiffy, c'est ça. On aime faire plaisir. On aime vous rendre heureux. C'est pour cette force que vous me donnez pour toutes vos super vidéos que notre fondateur Philippe Ginesté, sa merveilleuse épouse Brigitte Ginesté, ainsi que mon responsable Joël et moi-même avons le plaisir de vous offrir ce week-end détente dans ce merveilleux château pour tout simplement vous remercier de cette super année. Il faut savoir que cet endroit magique est aussi l'endroit où nous, collaborateurs Jiffy, séjournons lors de nos réunions. Et oui, notre patron et sa femme sont des personnes avec de très grandes valeurs, un cœur immense. Voilà, mon discours prend fin par un énorme merci. Merci beaucoup. Je vous laisse profiter de ce week-end détente et surtout, si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas, toute l'équipe de Château est à votre dispo et moi aussi. Merci. Ça s'est pas vu. Ça s'est pas vu du tout. Mais oui. Parce que je vous cache pas que je les ai pas assumées ce soir. Enfin, je pensais réellement pouvoir assumer, mais non, j'ai passé toute la soirée assise. Donc là, je vais prendre des baskets et après, on va faire le tour de l'hôtel parce que la nuit il est juste super beau. Il y a les lumières, tout ça. Là, il est exactement 2h du matin. Donc je vais me démaquiller. Je sais pas quand est-ce que je vais vous poster ce vlog parce que ici la connexion est vraiment pas top. Je pense que demain je vais le monter parce que là j'ai vraiment pas de vue. Je vais me démaquiller avec ce gant de chez The Body Shop, voilà. J'espère que ce vlog vous a plu. Demain aussi c'est une grosse journée, ça va être vraiment super bien. Je vous amène avec moi de toute façon dans tout le séjour ici. Et puis bah voilà, je vous mettrai l'hôtel en barre d'infos parce qu'il est juste magnifique, franchement. Il est trop beau. En plus, j'ai même pas fait attention, mais il y a des produits ici. Et on a aussi reçu des cadeaux que je vous montrerai dans le prochain vlog, je pense. Si vous avez aimé ce vlog, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas à liker aussi, ben, ça m'encouragera tout simplement. Et voilà, je vous embrasse très fort. Et je vous dis à très vite dans un nouveau vlog. Ciao!